Et après, vivre les cauchemars. Il joue avec un père. Il joue avec un père de famille qui avait 30 ans, qui avait 8 enfants. Lui, il est à la maison, il élevait 8 enfants, elle le poussait. Et lui, il jouait H24 là-dessus, sur la play, et il élevait les 8 enfants. Ben, l'un et l'autre sont pas incompatibles. Oui, d'accord. Mais attends, il a que 30 ans, le mec. Oui, gosse. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Il a un parent. Le dernier, il avait quoi? Même pas un an. Il a dû s'y mettre à l'aide. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, bah. Non, je veux quand même arriver à passer la porte. Allez, on est parti pour 1h30. Cagnotte du camp 139. Oui, 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 oui. Hop. On réactive ça comme d'hab. Du coup, il me reste le trésor. Il me reste le petit trésor. Et je crois qu'il est loin le trésor d'ailleurs. Objet de valeur. Alors, juste une seconde. Hop, je me prépare tout. De carte au trésor. Donc ou alors je l'ai dans l'émission. C'est quoi ça? D'accord, ok. C'est pas ça. Voilà. Tâche d'identification, tâche. Servez-vous de la carte. Trouvez la. Merde. Merde. Hop, j'ouvre ma page. Ouais. Hop. Putain. Je suis déglingué le pif, causeur, connerie. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle. Et non. Oui, oui. Je vais. Elle me fait signe.
Ah ouais, mais je n'ai Bien pas connu. encore découvert cette zone. Mais c'est pas grave. Si, c'est bien. Si, Oh elles là ont là, une ça va me grande faire courir loin, ça. ville. Non. Donc elles ont vu toute la scène. Mais l'autre, déglinguée là, qui serait chez les filles, au marché des Let's go, palmiers, elle girl. a brûlé tous les livres. Allez, boy. Tous Ou les livres girl, girl. du marché des palmiers. On va profiter de cette belle nuit éclairée. Cheval. Merde. J'arrive. Désolé mon pépère. Allez, vas-y, relève-toi. Oh là là, j'ai pris une tôle, pauvre dada. Mais non, c'est là. Cheval. Hop. Là. C'est dangereux leur truc. Non mais... Pour la peine, vous allez être dépecés, bande de salopards. Ça fait des pots, on va pas s'en plaindre. Là, bien fait pour ta gueule. Moi je dis, tu veux pas te faire bouffe, tu veux pas te faire tuer, t'essaies pas de croquer les gens. C'est tout. Là. Allez, on va manger du chien. Non, merde. Eh merde. Ah bah oui, mauvais état, je veux bien le croire, hein. Elle est criblée de plomb.
Ain't nothing to worry about. Oh, un lapinou. Et on n'a pas légèrement oublié mon... Non, il te l'a tourné. Ah, c'est pour ça que je sentais l'odeur. Il a allumé le petit feu. D'accord, parce que je me disais, putain, je sens une odeur là. Je l'ai mis en dessous d'un... En dessous d'eux ? Mais en gros, tu l'as pas mis, quoi. Si, mais ça commençait à bouillir dedans, donc j'aurais dû encore. D'accord. On va pas pouvoir, on va pas tarder à le couper, je pense. Ah, il y a un glou-glou. Oh, sir, just in time. I'm lost out here and I ain't got no food and no water. Non, j'ai pas le temps. Could you please take me to town? Ouais, non, je vais pas faire demi-tour. Oh, c'est bon. Alors, on en est où? Pfff. Mon Dieu! Ah, attends. Un lac. Si je me rappelle bien, sur le dessin, il y avait ça. Y'a une ours! Dégage, y'a un ours! C'est dangereux, une ours! Bon, voyons voir. Ce que j'espère, c'est que cette connerie de trésor, ça vaut le coup, quoi. Bon. Alors, ma sacoche. Documents, livres. Ça, c'est les schémas et recettes. Cartes, lettres, cartes de visite, cartes au trésor.
Ah! Allez, on est parti. C'est un alligator, je suis pas dans la merde. Ah merde, je suis pas en forme. Énergie, plus 25%. Vue d'ensemble. J'ai gagné de l'énergie. 3 sur 8, niveau suivant. Bon, ben j'ai plus qu'à... Et tu vas voir qu'il n'y a pas un seul bateau en plus pour aller là-bas. Des poissons, bref. Ah, objet. Objet. Allez. Oh, on y est presque. Mais non, c'est pas ça. Attention, de quel côté les montagnes? Là, donc ouais, c'est bien ce que je me dis, c'est par là. Allez là, où c'est que tu me l'as mis ce putain de trésor? Non, ça dit rien. Oh, tout ce qu'on sait, c'est que c'est par là. D'accord, ok.
700 € d'alcool, imagine. Totalement. Ils sont sérieux là? C'est censé être par ici. Enfin. Ça me fait chier parce qu'on peut pas conduire parce que je suis passé du temps, mais ça me demande. Merde. Hop, ça c'est fait. 10 dollars. Des lingots d'or. Bon, petit problème. Là, voilà, impeccable. Allez, allez, tu es presque impeccable. Ah merde, j'ai fait fuir les canards. Bon, de toute façon, j'avais rien fait. Oh, quoi que si. Oui, mais tu vas te calmer le poney. Hein. Il est sérieux lui? Come on, girl. Il y a 5 flèches, tu crois que je vais aller où?
Putain, mais il est fait en quoi celui-là? Wapiti, des rochers. Just wait a second, girl. Allez hop. Une grosse peau de wapiti. Hop là. Bon. Non. Du coup, on va aller où maintenant? Cowboy. Ah, chasse. Chasse à la prime. Ça m'intéresse, ça. Mort ou vif, les primes. You showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Again. Elle pique son cheval. Okay, my girl. Nice folks around here. Hop là. Je lui ai explosé la tête. Il a plus de tête. Ah! Carabine usée. On va le fouiller. Il a la tête en chou-fleur. Hey there, girl. Yep. Eh, tu veux bien me rendre mes flèches? Merci. Ça, c'est fait. Allez, on est parti. Le gars, je lui ai explosé la tête comme un chou-fleur. J'espère que ça se retournera pas contre moi de l'avoir aidé.
Là. C'est pas la peine que j'ai déglingué. Easy. Tiens, on va lui sortir le trou du cul par... Ah, espèce de gros dégueulasse. Je l'ai écrasé. Je crois qu'il faut que j'en écrase trois... ouais, trois autres encore. C'était magnifique. Eh ben tu recevras tout seul mon coco. Chercher une petite prime pour se faire de la thune. T'es le chariot de la petite maison dans la prairie. This is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling the trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings.
I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. D'accord. On va essayer de te les amener en vie. Je dis bien, je vais essayer. Ah, avis de recherche. $50. Oh. Recherche à Bénédicte. Il a capturé vivant. Vend des substances dangereuses en se faisant passer pour des remèdes miracles. En cavale, se trouverait dans les alentours de Valentine. Toute information vous demande de récompense. Voix du shérif. Aux alentours de Valentine. Ah, ça doit être la position du criminel recherché. Allez, mon brave. Allez, j'ai des sous à gagner. Cassez-vous. Poussez-vous de mon chemin. On va faire ça. Alors qu'on peut couper par là. Attention, doucement. Ouais, j'ai pas confiance en ce pont. Oh là là, oh là là, oh là là. Assez humble là, déjà il arrive avec la chaîne, et le gamin.
Allez voir en honte. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Oh, partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Please. Oh, shit. Sorry. Il est toujours en vie, le trou du cul. All right, try!
rage, you judge. I'm only in it for the money. That's even worse. I'm sure it does. Hop là. Tiens, fais de... Oh putain. All right. Let's take you in. Eh, on m'a pas interdit de le fouiller. So, what you got for me? Ouais, on t'avait pas grand chose, hein. Ah bah oui, obligé de m'enlever ma peau, fait chier. Je vais te faire comme pour les lapins, je vais te passer le trou du cul par-dessus les oreilles. Essayez, il se réveille. I think I must be suffering from exposure. Suffer a little longer. Oh, I seem to keep blacking out. No really, sir. I must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Pass it to me, please. Hello. Giddy up! Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Why, who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. More in that? Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Just. Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Now, please, remember what I told you. Et voilà. Ça rapporte, dis donc. $50 pour avoir fait ça. Alors, voyons voir. Je vais aller au magasin. Est-ce que je peux revendre mes lingots au magasin? You ain't been through in a while. Got everything you need. Have a look. Alors, vendre. Righty. Let's see what you're selling. Oh là là, $500. Pouah, $1000 pour les lingots. Comment se refaire? Bon. Thanks. Un reseller. Spectacle. Boucher. Vendeur journaux. Cheval d'Arthur. Saloon. Écurie. Putain, c'est jusque là-bas le reseller. Hey, move! Pardon me? Thank you.
Allez, ch'ti pépère. Okay, girl. Hello, mister. Been a while. You ain't been seeing another butcher, have you? Alors, ça, c'est quoi, ça? Fourre de loup. Ça, c'est la fourre de loup légendaire. De toute façon, je peux pas la vendre. Ah ouais, j'en tire plus de vendre le lapin entier. Cœur de loup. Well, I guess you forgot about the interest. Move along, we'll get you next. Oh, looks like you need a lift. Je sais ça, mais à chaque fois j'ai le cheval trop près, il fait chier. Carrément l'envoyer vivant, c'est encore mieux. Bonjour à la personne qui vient ou repart. Dommage. Désolé, ma petite biquette. Je chasse. Regarde, terre, regarde si c'est pas beau. Je te récupère la peau, je te fais un manteau de fourrure avec. C'est ça pour cet hiver. Ah oui, t'auras pas froid, non, ça c'est sûr avec ça. Hein? C'est pas grave, une bonne couette et puis moi j'ai chaud après. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu crois? Yep. Ah, on est parti.
Je suis loin de mon truc, moi. Oh putain, oui. Hop, tiens, mange une petite galette d'avoine. Loup galette. Ah, j'ai loupé le lapin. Fais chier. Saleté de lapin, j'aurais pu t'écraser. Je vais arriver au reseller, ça va être fermé. Quoi. Remember you. Passed through here some time ago, huh? Go on, have yourself a quick nosy. Faut choisir de côté, c'est ça? Bye. Ah ouais, d'accord, ok. So old Bob Crawford was livid about his coach getting robbed. I was very sympathetic. Que ce qu'il y a de la valeur, mon gars? Ah non, l'anneau indien, on peut... en fait, c'est à vendre. C'est un objet unique, mais bon. Là, Simus. Okay, qu'est-ce que t'as acheté, toi, Maurice? Ouh, de la dynamite. Trust me. Voilà. Tomahawk. Oh, passe-partout. Nice. Ah, schéma flèche empoisonnée, ça peut être efficace, ça. Et qu'est-ce qu'il peut fabriquer, Sylvain? Ah, amulette dent de castor. Cœur de loup, les gens. Okay, tiens, hop, ça c'est fait. Ok, bon. Okay. Keep this just between us now, won't you? Why on earth would you put that on for? Oh, c'est génial. C'est cool ça. Bon bah du coup je peux retourner à mon camp de base, hein. On va aller là, hein. Écoute. Je sais pas où c'était marqué John Marston. John Marston, c'était le héros du tout premier Red Dead. Enfin, le héros. You can't turn me in.
This ain't just. Keep your distance. Got a criminal here. Just. Est asséché. Salut, oui, je joue comme tu peux voir. T'as loupé mon magnifique meurtre d'un mec à bout portant. La tête, elle a explosé comme un popcorn. Et là, je viens de trouver le trésor où je bataille avec les cartes la dernière fois. Et je suis content parce que du coup, j'ai pu à le faire et ça m'a rapporté 1 000 $. Et 1 000 $, c'est pas négligeable dans ce jeu. Ça en fait des parties de poker, je te le dis. Allez le dada. Pardon. Excusez-moi. Retrouve toute ton endurance. Yeah. Oh, je dois en avoir assez pour retourner jusqu'à... Faut soit que je me fabrique des flèches par contre, soit que j'en achète parce que j'en ai plus du tout. Il m'en reste non, 0. Je vais voir s'il n'y a pas un marchand dans le camp qui peut m'aider. Oh zut, j'y crois pas, je l'ai chié. Si tu te demandes pourquoi je trimballe un cerf plutôt que de le découper, c'est parce que je vais aller le vendre, je vais le donner directement au car où ils pourront faire plus de choses avec. C'est moi. Il faut que tu les récupères quand tu joues. Que je récupère quoi? Les flèches? Oh, niveau souhait, on est dans le caca. Si tout cassé. Ben ouais, mais je peux pas toutes les récupérer en fait. T'en récupères qu'une à deux. Mais si par exemple sur un animal t'en tires 5, et ben tu récupères pas les 5 quoi. Oh, je peux jouer au poker ici maintenant. C'est cool ça. Alors. Niveau bouffe, ça devrait être bon. Ah, niveau bouffe, ils sont au pit quand même. Ah, le reste, je me le garde pour moi. Forgive me, Miss Grimshaw. Ah non, là c'est prendre, d'accord. Et si je veux donner, j'y peux pas donner. D'accord, je peux pas donner. Qu'est-ce que c'est par là? Peut-être c'est chiant de pas pouvoir courir dans le camp. Là, c'est quoi ça? J'ai examiné. Oh! Le drogué! That hope
cambrioler une maison. Non, c'est bon. On verra ça plus tard. Je vais aller faire un don. Je vais pas garder mon pognon. Contribuer. Donner de l'argent. On va lui donner, allez, 450. Ouais, c'est bien, ouais. Comme ça, le reste, je me le garde. Et comme ça, avec le registre, je vais pouvoir améliorer quelque chose. Bon, et toi, c'était bien l'île de la Tentation? Alors, page suivante. La munition, on a un chariot d'Arthur. Munition pour pistolet. Hein. Attends, je vais faire ça déjà. Une amélioration pour mon camp. Une carte de voyage rapide et du nécessaire de toilette supplémentaire. Oh, c'est cool ça. Choupinaise! Et je peux encore faire une amélioration pour tout le monde. Amélioration du reste du détente. Ah, ça pourrait valoir le coup. Hein. Voilà, ça a pris un peu sur mon fric, je pense. Relais à chevaux. On va foutre un poulailler. Et on va mettre des munitions. Ma foi, c'est mon beau-frère qui a fini de toutouiller pendant que moi je jouais. Mais ça sent bon quand il ouvre. T'imagines même pas à quel point. Et je vais encore le faire une fois. Là, c'est un arsenal chez moi. Je me garde quand même 300 balles. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois. Grosse amélioration du camp. Ah, ça c'est génial ça. Ah, des flèches. Ça c'est génial par contre. Plus d'un en fabriqué. Ça c'est quoi? Des couteaux de lancer. D'accord, et là, je peux faire mes voyages rapides. Ça, c'est cool. Impeccable. Maintenant, je vais aller faire un petit dodo. Attends, ma barbe, elle en est où? Oula. J'ai une sacrée barbe. On va se raser. Là. Attends, il est où mon dodo? Et on va dormir jusqu'au matin. Dans 3 heures. Et après, on ira voir. Merde, je me suis chié. Attention, hein, ou je te passe le trou du cul par-dessus les oreilles. Hein. Fais gaffe, hein, comme les lapins. Bon, monsieur, dame, on retourne. Ouais, à demain.
Bisous. C'est toi demain. Oui, 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 moi oui, demain. Je t'envoie un message. Tiens, je suis à la maison. C'est bien. C'est gentil. Bon, alors. Hey Arthur. John, salut John, comment vas-tu? What do you want? Uncle told me l'essence de la richesse. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of State Border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is pas con. Kind of brilliant. Ça leur apporte du fric, tout ça. And that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns. T'es calme, vieille branche, je t'entends pas beaucoup. Some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. D'accord. Bon. Alors, voyons voir. Faut que j'aille ici voler un chariot. Ça va pas être gagné, ça. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai retrouvé plein de munitions. Ah, j'avoue que la louloute, on l'entend pas là aujourd'hui. Elle est sage. C'est bizarre. Elle m'a trop parlé tout à l'heure, c'est pour ça. Elle sait plus quoi dire. Ah, tu t'endors en écoutant ma voix de semi-marseillais. Du coup, j'ai combien de flèches? Quoi, c'est tout? Putain, mais quelle bande de radins. Eh, mais j'ai pas vendu ma peau. Elle est où, ma peau de loup? Oh, elle a dû être mise ailleurs. Non, parce que si j'ai pas ma peau de loup légendaire, ça va péter, là. Voici les Dalton. Là.
C'était qui eux? Des Odriscoll encore? J'ai entendu des loups. Je sais pas où ils sont ces bâtards. Ah ouais, c'est ça, un Odriscoll. Bande de petites putes. Toujours à m'attaquer. Ah, oh, mais t'es un gros dégueulasse, hein. Enfin, t'es une grosse dégueulasse, pardon, c'est une femelle. Tiens, toi. Attends, j'ai un chariot qui vient de se... Allez, vite, 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 vite. Yep. Écoute, on va pas se plaindre. Il y en a un de tout près. Attends, du coup, carte. Il faut que je la mette où? Ah oui. Merde. Ah, merci ma soeur. Ouais, ouais, pour ce soir, ouais, c'est bon. Ouais, 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 non, mais oui, pour ce soir, ça ira, je le remettrai demain. Il sera encore meilleur. Allez, on est parti. Là, faut pas une balle perdue, je te le dis. Sinon, je suis capoute. Oh, puis merde, hein. Voilà. Bienvenue dans ma petite maison dans la prairie. Comment on fait pour faire... Tu vas au dodo? Rien, mes yeux. Hein? Mais quoi, ils ont... Oui, je suis fatigué, oui, et alors? Allez, vous allez passer. Bien. Yeah.
putain, il se complique la tâche lui pour me cacher un truc. Hein. Yep. Bah, ils sont dans ma chambre. Bah oui. Oh là 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 là. C'est pas facile de se garer avec un chariot. Là. Et voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Pourquoi je vois un autre... C'est quoi ça? Mikhail Beth. Mika vous a demandé de le rejoindre à son campement près de Strawberry. Parler à John concernant le chariot de pétrole qui vous a demandé de voler. Ah, j'hésite, hein. Ah, écoute, on va aller là-bas. Ça m'a l'air d'être la mission finale, là, dans le... la capture, donc, du train. Ben, elle a dû s'endormir parce que je la vois plus là. Send you? Excuse me? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? A spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What theories? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course.
Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. D'accord, va falloir que je m'amuse à découvrir des os. Let's go, girl. Keep on. It's getting loose. Oh, 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 God, you did it. Praise Jesus. Oh, God. Gotta grab something for the blood. Thank you. Oh, I was done for, you saved me. Thank you. Take something from my back for the trouble, though. I'm gonna take a minute now. Here, drink this for the pain. Oh, God, yes. My leg feels like it's on fire. Ah, il m'a dit de prendre ce que je voulais. And the thing, I almost didn't bring the trap. T'as de la chance. Heureusement que je passais par là. Hey there, girl. On va traverser par la forêt.
Hey, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. After you. There's a spot up this way with a good... good view of the trail. Non, je veux pas celui-là. Girl. What are you doing anyway, camping out here? You're like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, là, can on est parfait comme ça. Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept you up. About it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Non, attendez pas. J'éteindrai après. Few loose ends, je finis cette mission here, et j'arrête. Drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I've seen you come full undone more than once now. And you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Mon pauvre cheval, il trouve que c'est trop lourd ce qu'il porte. Faudrait que j'en prenne un plus puissant. On this ridge. Easy. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Here!
It's just the driver left! Come on! Good. Come on. Let's get this out of here. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. En fait, je peux attendre avant de grimper, c'est ça? How long does it take? Next time I'll leave you in the dust. I'm hoping there won't be a next time. You don't mean... Yeah! Baylock! Come on, boy! Normal. Oh mais d'accord, j'ai un peu de tout en fait. J'ai des hautes vélocités et normal. Faut en remettre des hautes vélocités. Carabine. Oh. What did I tell you? 14 balles dedans. Qu'elle va être belle celle-là. You don't want to just break it open here and be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second. Paraît que les Odriscoll ils vont nous attaquer. All right then. Not to mention, we ride back in with a big take, new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done. Shit! Now we're being robbed! Get across the river! What the hell? Come on, Arthur, get out of there! You dumb bastards! Damn! You okay? I think so. Just keep your head down. Let's finish. They're goddamn O'Driscolls! I can see that! Oh my God, of them! Tiens, toi t'es mort. Allez, dépêche-toi. You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. Hey, give me a hand with this, will you? Ouais, ouais, je vais donner un coup de main, deux secondes.
finish this and get out of here. What the hell are you doing? Get over here. Take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. Come on, I'm happy to do myself. That should do it. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. Ho, ho, ho. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like tu vas voir ça me rapporter $50 ou un truc du genre. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Ouais, 200. Hein. Part de la bande, votre part 300. Bon, impeccable. Rien à dire. Ah, il est là. Pour moi, mes plus grands ennemis, c'est les animaux, c'est pas vraiment les humains, quoi. J'arrive à gérer les humains plutôt facilement, en fait. Il y a le feu ici. Hé,
There you go. Ouf. Rien d'exceptionnel est ce cheval. Those mountains were gonna kill me. Seems I'll live a while yet. Oh, I know. Ah, Castle Moustique. Made us some money. You always do. Yes, I'm good at that. Contribuer. I messed up in Blackwater. Alors. I made a goddamn fool out of myself. You done that before. I know. You'll get us out of this. We are out of this. We need to keep out of it. So what do you think? We need to make some money and find ourselves an escape route, same as usual. But we are making money. Then we will find an escape. We are gonna be okay. I agree. We'll get some big money and get lost. Voilà. Et le registre, il nous dit quoi? Ah, au niveau des remèdes. Écoute, on va prendre ça. Hop. Ça va. Et ça c'est quoi ça? Well, can't sit here forever. OK. On va prendre ça. Ah, il commence à être bien le char, le truc à provision là. Hop. Ça c'est pour mon camp. Là j'ai des bouteilles incendiaires, impeccable. Plus que ça, mais je préfère attendre. Bon, ben ma foi. Cocktail incendiaire. Impeccable. Hi there. La petite conversation avec elle. You been up to, Arthur? You look odd. You want to talk? I don't know. I just don't feel myself. Been out a lot. Sure. Anything fun?
I've been bad. I've been killing animals just for the hell of it. That's it. Well, also killed a bunch of innocent folk. I don't know why. What's wrong with you, Arthur? I just get so angry about everything, about how this is gonna end. Well, it'll only end well if you keep your mind, Arthur. We need you. I know. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce soir, parce que je suis fatigué. Ma sacoche est blindée. À moi, ça, j'en ai partout. J'ai de l'huile pour les armes. Ah ouais. J'ai souvenirs, objets divers en possession. C'est joli. Enfin bref. Voilà, je vous fais des gros bisous pour le barbu et je vous souhaite une bonne nuit. Et à très vite. Ciao ciao à tous et à bientôt.